السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيسبر كو فوزالي بيان دونك اليوم غادي نشوفو نموذج امتحان اخر المراقبة مستمرة رقم جوج مادة اللغة الفرنسية هاد التكست هذا اللي هو عن من شابيت رقم تسعود من لابواطا ميغفي دونك غادي نشوفو التكست علاش كيهضر وغادي نفهموه مزيان وغادي ندوزو لي كيستيون دو كومبخيونسيون اللي جات مع هاد التكست هذا Alors, à la parquette de Dieu, nous allons voir le texte. C'est bien. Mon père nous quitta le surlendemain à l'aube. Donc, il y a Sidi Mohamed qui est là. Son père qui fait Misha, qui fêche les enfants. Donc, Misha à l'aube, il partit avec pour شو باجاج اون ساكوش دو بارجي هز معاه واحد شاكوش راه كنقولوها حتى بالعربيه ساكوش دو بيرجي ديال واحد الراعي اون بالمينان ديال النخل داك النخل القزم دون اي فوسي نوف واحد المنجل جديد ان ساك اون طوال هنايا كيوصف داكشي معاه Ma mère l'avait confectionné dans un morceau de haïk, donc le smito. L'homme dit, c'est Mohamed, il a fait le morceau de haïk du coton il avait bourré de provisions. Olives noires, figues sèches, farine grillée et sucrée, de pain parfumé à l'anis et dit karchala.

J'étais réveillée quand mon père partit. » parti. Donc, c'est dit Mohamed Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ. Donc, euh, mot. Sidi Mohamed. a des des recommandations. il a des recommandations. Il resta après son départ. prêt mais mourant le départ sur son lit, Il est prostré sur son lit. Le visage caché dans ses deux mains. يعني كتعبر على الحاله الحزن ديالها فاش مشى الزوج ديالها جو لا سونساسيون كو نوزي تيون ابوندوني ابوندوني يعني متخلى عنهم كنو تيون دوفوني اورفيلان بقاو ابوندوني بقاو متخل بحال تخلى عليهم بحال بقاو يتاما يعني من مورا دي بار ديال البيغ ديالو ولا كيحس براسو ابوندوني اي اورفيلان Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. Donc le quartier de euh, il devait être au courant. Il euh, manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire plus humiliante.

dans une famille, donc Galina, le père dans une famille comme la nôtre représente une protection occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche, son euh, prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. D'accord. Donc un air qui représente et le nous symbolie le père dans une famille. Donc le père. Au sein d'une famille, il représente une protection qui apporte la protection Point les besoins qu'il äh, so so, uh, so, soit riche. Quelqu'un lui soit il est riche, soit il est pauvre, donc quelqu'un lui a besoin, soit il est riche, soit il est pauvre. Son prestige moral donne force, équilibre, qui est un la force, qui est donné la assurance et respectabilité. D'accord Alors, mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatif pour le recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est -ce préparatif Parce que euh, le père dit à le narrateur il venait le soir seulement à la maison. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère.

il serait vain, yani, bidouni, je d'accord. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, yani, tawad, n'apporterait de l'extérieur la sauve odeur du travail. Nous et nous servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force. Donc, l'importance du père au sein d'une famille. Donc, il m'a dit Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il représente pour moi la force l'aventure, la sécurité, le MNC, d'accord Il n'avait jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse. Donc lit... غير الظروف اللي اللي خلاته انه يخرج من اللي حتمت عليه انه يخرج من لا ديالو ويمشي لا باش يخدم داكوغ لا ميزون peu a peu دونك هنا قال لك الدار بدات كتفيق بشويه بشويه سالي لو كتسال مع مع الشمس اي سي بغوي فاميلي جي مونسون تي ميو سو ماتان Je m'assis dans mon lit, ma tête ne pesait rien sur mes épaules. Mes bras n'étaient agités d'aucune fièvre. D'accord Donc, là, c'est l'extrême chapitre numéro 9, la boîte à merveille. Réel, il, bani, il y un chapitre numéro 9 ou un chapitre numéro 12, qui est le le Donc, d'abord, les questions. Donc les les questions. Euh, remplissez le tableau suivant. donc, euh, la première question, c'est de euh, remplir euh, had le tableau à titre de l'oeuvre. l'auteur. le narrateur. genre littéraire. courant littéraire. date d'écriture. donc, alors, quand on a l'arlebière on a déjà, déjà arlebières, la fiche. دليكتور ديال لا بواط ميرفي خاصك تكون هاردها الوغ لو تيتغ دو لوفر سي لا بواط ميرفي لوتور سي احمد باردون هنايا نسيت احمد صفريوي لو ناراتور سي سيدي محمد يعني لوتور اللي كتبها هو راه نفسه ولكن هذاك لوتور من الاحسن نكتب احمد صفريوي لو ناراتور سي سيدي محمد Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Quand on dit le genre littéraire, on dit le courant littéraire. Mais c'est le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Mais c'est le courant littéraire, c'est la littérature maghrébine d'expression française. Littérature maghrébine d'expression française. D'accord La date d'écriture, c'est 1952. Alors, c'est-à-dire la fiche de lecture qui est en train vous se Donc, euh, désolé, l'auteur est Sfrewi. train de se D'accord. De la deuxième question. La deuxième question, situer le passage dans l'œuvre. Donc, situer le passage dans l'œuvre. Et là, il y a un texte. Donc, il y a un texte qui est en train دونك خاصني نشوف شنو اللي قبل منا اللي قبل منا ولكن قبل اشنو كندير كما قلت كنت قلت لكم شحال هادي باش انني نسيتيو ان باساج ضروري ما انني نقول سو باساج اي تيكستري ونعرف اش من اش من غومون عندي و الجونغ ليتيرير ديالو و باردون وشكون اللي كتبو أو, أو, D'accord Donc, quel que soit le roman dit, soit La Boîte à Merveille, soit Antigone, soit Le Dernier Jour d'un Condamné. Donc, ce passage est extrait de La Boîte à Merveille, roman autobiographique écrit par Ahmed Sfrioui en 1952. D'accord Autant dire, Ou bien, virgule. Juste avant ce passage, le père de Sidi Mohamed annonce à sa femme qu'il a perdu son méga-capital au souk. دونك قبل من هاد من هاد قبل ما يمشي هاد لو بير ديال لو ناراتور اش كان قبل قبل لانونس ديال هذاك لو بير جا قال لمرتو باللي راه غادي يمشي اه 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 باغدون باللي راه اه اي لا بيردي سون ميغو كابيتال باللي راه توضر ليه اه اه وبيان خسر هذاك راس المال ديالو في السوق Donc, D'accord. Donc, ce passage est extrait de la boîte à merveilles, roman autobiographique écrit par Ahmed Sefrioui en 1952. Juste avant ce passage, le père de Sidi Mohamed annonce à sa femme qu'il a perdu son maigre capital au souk.

pour quelle raison le père quitta sa famille? le père, euh, il a quitté sa famille. Donc, le père quitta sa famille car il a perdu son maigre capital ou souk. Donc, il tout perdu son maigre capital,

On Un dimanche au début de l'année, mon père nous quitta sur le surlendemain à l'aube. Je ne sais pas bien, féejren, y ait-il yani fait La question c'est, dans quel état est ça, Sidi Mohamed? Est-ce minhala? Est-ce que le père est Sidi Mohamed? Donc, il a laissé Sidi Mohamed seul, sans soutien et sans défense. Il sans soutien et sans défense. La question numéro 4. Quel sentiment éprouve le narrateur Je veux le narrateur en même. Donc, le narrateur éprouve la tristesse et la solitude. Donc, khees bel wida ou le passage. Relevez un énoncé qui le montre. Khasin l'énoncé. Donc, euh, sentiment. Le sentiment euh, que le narrateur éprouve. Rasin haraj un énoncé qui le narrateur khees bel la question C indique quelle sera selon le narrateur la réaction des voisins envers cet incident. Donc, on va voir l'énoncé qui montre le sentiment éprouvé par le narrateur. Il dit Je la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. Maintenant, il D'accord Donc, la question C c'est quelle sera, selon le narrateur, la réaction des voisins envers cet incident et Khatib qui la réaction des voisins les tu donc euh, tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire, plus humiliante que le pire mépris. D'accord Donc, là, tout ce qui est dans le texte, ce qui est dans le texte. de tout l'homme sont dans le Et déjà, je l'ai expliqué, je l'ai dit, donc, je vais le texte. Alors. La cinquième question. Quel temps domine dans le texte donc, euh, Bincebel le temps, euh, le temps T-O-N. T -o -n. Pardon, le ton, c'est le, euh, le, euh, le ton qui domine dans le texte. J'ai roman. le temps comique, tragique, pathétique, ironique. le temps, c'est la façon de raconter un événement. C'est شنو كيدور كي شنو كيدور كي في النص ديال واحد باش حسيتي واش ضحكك هادشي نو واش غادي تسخر منه السخريه لا واش شنو اخر اه كوميك قلنا ايرونيك فانتاستيك هادشي خيالي لا دونك

après, la question numéro 6, que représente le père dans la famille du narrateur Je ne représente il y a le père Adam, au sein de la famille de le narrateur Donc, le père représente une protection occulte. texte, Une protection occulte, euh, euh, son euh, prestige moral donne la force.

La, la, question, la question numéro 7, quel est le point de vue dominant dans le texte ben, Le point de vue, donc, euh, il est interne. D'accord euh, Parce que l'histoire est vue à travers un personnage. Yannick, le, le, le point de vue dominant dans le texte est interne. Relevez trois mots du champ lexical du voyage et champ lexical de la famille. Donc, je dis, vous trois mots, champ lexical de voyage et trois mots, champ lexical de la famille. Alors, il y a, j'ai toujours le jour, nous, à titre de la vie, nous avons le voyage. On dit bagage, sacs, sac départ. Donc, c'est ma raouille, l'état. Il y a bagages, sacs. Sac, sac. Le champ lexical de la famille, qu'il y a mon père, ma mère, maison bruit familier D'accord Gaédo, qui termine eh, au champ lexical de la famille. Ou du l'homme qui termine le champ lexical de voyage. Voilà. <coughs> Après, on dit « indiquer la figure de style employée dans l'énoncé souligné dans le texte ». Donc, on va le texte la phrase a dit « la maison se réveillait peu à peu ».

Donc, il y a un salut le soleil. Est-ce qu'on salue le soleil Je ne sais pas si on a le Donc, il y a un peu de sifat qui est un peu de sifat qui est un peu de sifat qui est un peu D'accord Donc, c'est une personnification. Après, comment trouvez-vous le personnage du père dans ce texte

il occupe une place, un Donc, père, il a, il une place primordiale dans la famille et son absence entraîne souvent un déséquilibre chez l'enfant. Donc, le père la force, la il occupe une place primordiale dans la famille, dans la famille, et son absence entraîne سوفون ان ديزيكيليبر شي لونفون كت كتعطيني واحد واحد ديزيكيليبر uh, واحد عدم توازن عند لونفون دونك الغياب ديالو كيشكل واحد عدم توازن عند لونفون دونك فوالا تقدرو تستعملوا هذه تقدرو تستعملوا وحده ديجا راه بارطاجيتها معكم في الانستغرام وفي لا فيسبوك Et il y a production écrite ou bien le point de vue. Le père est le pilier du foyer. Il a le rôle de protéger sa famille, de l'assister matériellement et moralement. C'est une poitrine tendre et affectueuse. En effet, le père s'efforce de subvenir aux besoins nécessaires de sa famille. Grâce à lui, on peut se nourrir, s'habiller et étudier. Par ailleurs, le père nous apprend tant de choses et beaucoup d'expériences qui peuvent nous aider à avoir une bonne éducation. Il nous donne aussi des conseils servant à affronter la vie scolaire. Donc, l'éducation, ce sont des rôles, les kishklah, le, le père, f, f, le, f, la femme. En plus, la présence du père dans une famille offre, à ses membres la protection et la sécurité en ayant un équilibre euh, psychologique, ainsi on peut ressentir la tranquillité et la paix. Finalement, on peut affirmer que le père occupe une place primordiale dans la famille. Son absence entraîne souvent un déséquilibre chez l'enfant. Donc, là, mon petit tableau, que production écrite ou là mon petit opinion d'ielkom, là, le rôle du père. D'accord? دونك راه فاش تتحط هاد الشابيت هادي فاش تتحط هاد الشابيت هذا ولا الشابيت نيميرو 12 لو روتور دو بير راه ديجا حطيت واحد ليكزام عليه الا تحط راه اكيد كيتحط معاه الغول دو بير دكور دونك كنتمنى يكون هادشي فادكم Minutes, quand tu mènes ton histoire, ou laissez-le comme bon courage à tout le monde.